you. Bonjour tout le monde, ici Yakipan, de retour pour, Pokémon Bleu. Alors, je sais même plus où j'en suis, voilà. Parce que j'ai tenté des choses en... Ouais, non, c'est bon, on doit aller taper du Rocket pour avoir tunnel. Et on va partir vers Carmin-sur-Mer. Pour aller faire l'Océane. Donc le but de cette vidéo, je vous préviens, c'est d'aller... à l'océan, voilà, à tout prix. Donc je vais un peu rusher jusqu'à Carmin et j'espère que ça va bien se passer. Bon, ah d'accord. Donc je lui fais pas mal et lui il me coup critique. Bah oui, tout va bien. Je peux le berceuse? Non, allez, encore un Pokémon que je peux pas berceuse. Ça franchement, je ne comprends pas, sans déconner. Pourquoi je ne peux pas endormir certains Pokémon? Est-ce que c'est parce que je rate l'attaque? Ou est-ce parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas être sous état berceuse? Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Donc si vous pouvez m'éclairer là-dessus, ça m'aiderait. Vraiment. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Mais c'est abusé, Machoke. Enfoiré. Ouais, youpi, hein. Soporifique. Oui. J'ai besoin de monter. J'ai besoin de monter ça. Et j'ai quand même envie de tester un truc avec ma Papillusion. Parce que je crois que dans les premières versions, le psy était. Je crois que le psy était sensible au psy, mais je suis pas sûr. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais c'est incroyable d'être aussi nul. Oh. Ouais, choc mental, youpi. Pourquoi c'est très... Oh putain, parce que je suis à moitié poison. Oh non. Bon. Eh ben heureusement qu'on a le centre Pokémon juste à côté, j'ai envie de te dire. Putain de merde. Non, c'est fou en fait, je vais même mourir dessus. Ouais, il va falloir que je fasse tomber assez vite, je sais pas trop comment. Ah, bah comme ça, voilà. Merci, merci de pas m'avoir fait choc mental. Holy shit. Mais je me fais défoncer par tout le monde dans le jeu vidéo, en fait. Oh là là. Oui, merci, donne-moi tunnel. Tunnel... Tunnel qui va peut-être pouvoir nous être utile si j'ai un Pokémon qui peut l'apprendre. Mais un Pokémon bien, quoi. Ok. Ouais, bah super. Ça fait déjà 3 minutes et j'ai pas avancé. J'ai juste récupéré une putain de CT. Ah, le dégoût. Je suis salé, là. Je suis salé, salé. Bon. Nous allons voir quand même si ça va mieux se passer vers Carmin-sur-Mer. Bon, comme j'ai dit, je rush, donc pas de combat, tout ça. Même si quand même dans l'océan, c'est des niveaux 20. En fait, l'océan, je peux la rusher. Mais j'ai une CT à récupérer dedans, déjà. Déjà ça. Et j'hésite à en profiter pour monter mes Pokémon de niveau, parce qu'ils sont aux alentours de niveau 20. Et si je peux avoir Mélofée et Papillusion aux alentours du niveau 20, même monter Roucoups et Herbizarre, ça pourrait être pas mal. Bon, comme j'ai dit, je rush, donc YOLO ma mère. Voilà. Allez, c'est parti. Deux dresseurs. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur petit sac à dos? Hein, c'est quoi les Pokémon, là? Roucoule. Bon, jusque-là... À niveau 16. Ah oui.
Non, jure. Oh là là, ça commence. Tu vas me dire, je m'attendais plus à un jet de sable dès le début. Genre, pour annoncer la couleur. Oh, pour l'instant, ça va, écoute, même si tape en premier, tant qu'il fait pas de coup critique, je veux bien continuer à le taper, hein. Ah, voilà! Je me disais aussi... Ah, c'est passé! Cool! Roux cool! J'espère que je vais pouvoir le tuer, comme ça me donnera de l'XP un peu gratuit. Ah ben voilà, un peck! Ah, la joie. On dirait pas comme ça, mais c'est la joie. Roux cool encore. Je vais en faire juste une. Si elle passe, ouais. Tu vas me dire, il a fait un jet de sable. Bon, allez. Ok, si c'est un coup critique, je meurs. Ouh, coup critique et je suis pas mort. Pokémon, nous allons utiliser Rookoops. Voilà. Parce que Rookoops, c'est très fort. Et puis voilà, contre un Rookool, c'est pour lui montrer qu'il c'est le papa, quoi. Copieur. Oh, mais sérieux? Pourquoi tu me fais des coups critiques? Il y a un dresseur juste après, j'ai envie de vivre. On va appeler Roukou là. Non. On va pas changer, on va de suite le défoncer. Oh là là! Le coup critique de la mort et de la vérité! Allez! Bon, ok. Est-ce que ça veut peut-être me dire... Regarde, utilise un autre Pokémon pour le finir. Je vais faire ça. Genre papy. Pipi! Ah non, si je rate mon choc mental, je crois que c'est quand même... s'il te plaît, je peux? Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Non, ça c'est bon. Bon, il a toujours pas pris de niveau parce que franchement, Papillon, je sais pas. Il a dit que c'était pas Glop. Putain, je connais quelqu'un qui dit que c'est pas Glop. Allez, plus que lui, on est à Carmin. Il a quoi lui comme Pokémon? Wing. Il a Piafalol. Bon, c'est vrai, c'est quand même un Piafalol. Miracle, non, pas du tout. Par contre, on va essayer de taper un petit peu avec ça, là. Gros yeux. Ah, et ça échoue. Allez, Vlan. Ah, c'est pas mal. Ah oui, en plus, il est fou. Sa folie. Ah, parfait. Mais alors, parfait. Déjà? Bon, tu vas me dire, je m'en fous. Enfin, c'est quand même pas mal ce que je lui ai mis. Olé. Ah, pic pic. Ah non, non, c'est vol. Ah, le fils de Chang. Bon, c'est pas grave. On va le finir avec Roukou. Ah, merde. Je suis dégoûté. Il aurait pu prendre des niveaux et tout, le pop-up illusion. Bon, c'est pas grave. Oh non. Oh non, 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 pas ça. Oh putain, il est plus rapide que moi, quoi. Oh putain, faut le défoncer vite. Ça va. Oh, cool. Oh, faut le défoncer vite avant qu'il commence à bousiller toute mon équipe. Non, non, non. Ça commence très bien, dis donc. Toi, tu vas lui faire un petit coucou. Mais juste un petit coucou, tu vois, voilà. Comme ça, au moins, tu prends de l'XP. Allez, bisous. Et là, il aurait fait poursuite. Bon, ça n'existe pas encore, mais... Poursuite, en fait, ça attaque le Pokémon, même si tu veux en changer. Décède, s'il te plaît. Oh, putain. Ouh. Oui, le niveau 17. Oh, niveau 22, cool. Ah oui, poudre toxique. Cool. Oui. Je me suis trompé. J'ai appuyé trop vite sur le bouton. Ah, bon, tant pis, c'est pas... Charge de toute façon, ben bon, on a quand même rugissement qui nous fait chier derrière, mais bon, c'est pas grave. Ok, on a Carmin, c'est pas mal. Je pense que niveau temps, on est pas mal. Allez, on est parti, voilà, on soigne et on passe de suite dans l'océan, qu'on peut rusher, franchement, hein, on se dit les choses, on peut y aller en mode franco. Je vais quand même essayer, casse-toi s'il te plaît. On va aller taper quelqu'un, déjà, ça. Ok, pas lui. Pas elle. enfin, oh. On va faire ça, là. On va en acheter 3. Voilà, on va prendre ça. Ça peut toujours être utile.
Et des repousses, on va commencer aussi à en prendre, parce que ça peut toujours être utile. Surtout pour la suite, je ne vous en dis pas plus. Et on va dans l'océan. Oui, donc l'océan est rempli de dresseurs d'environ niveau 20. Ce qui est quand même assez fort, en soi. Mais on y va là. En plus, j'ai une seta à récupérer. Mais je crois qu'elle est par là-bas. Après, je peux me tromper, mais je sais qu'elle est dans une cabine. Ok, donc déjà, je me suis pas fait aggro, j'ai une potion max, c'est pas mal. D'accord, donc lui, il est là juste pour être là. Ok. La suite! Bonjour, ok. Donc là, oui, c'est l'aggro, c'est ma réputation. Alors, ma réputation de marin est en jeu. Donc si c'est un marin, il a des Pokémon. Oh non! Ouais! D'accord. En avant! Est-ce que Hippotran peut être endormi ou lui aussi il va me faire suer, pour être poli? Lol. Ah, cool! Ok, ok, là on sent bien là déjà. Hippotran s'endort. Vas-y, dors. Pendant ce temps, je vais t'écraser la face. Genre le T-Bag en fait. Oh! Et ça a beaucoup de PV, Hippotran! Ou c'est mon Mélofé qui sent mauvais? Allez! Écume. Bon, si je perds 6 points de vie encore, ça va. Ben non, le coup critique. Sinon, c'est pas drôle, voyons, arrête. Écume. 6, s'il te plaît, que 6. Merci. Ah, j'ai perdu de la vitesse. Ça, j'avais oublié que ça faisait ça. Oh, pratique. Prends un niveau, s'il te plaît. Coquillasse. J'adore Coquillasse. Il est beau, regardez. On va essayer. Oh, tu fais mal quand même. On va essayer de le tuer avec Mélofée, ça peut toujours être utile. Eh mais je sais pas comment je vais faire pour monter mon Papillusion au final. Oh, oh là là, parce que j'en aurais besoin pour Safrania. Je ne vous en dis pas plus. Safrania? Non, je sais plus. Non, ben non, pas Safrania. Oh mais dors, oui, dors mon petit coquillasse. Il est beau, regardez-lui, il tire la langue, blé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il tire la langue, mais... Je pense qu'ils se sont dit, bon, dans le caractère design, on peut pas trop... Ah, bonjour. Bien dormi? Oh, un point de vie. Salaud! Moi, je m'en fous, il pourra pas le... Ah, mais non! Repli, ça augmente juste sa défense. Je pensais que c'était abri. Oh. Rien va appeler Tantalol. Non. Si Tantalol, je peux... Je me souvenais pas que ça faisait autant de bruit. Waouh! La berceuse qui passe alors qu'on l'entend pas. C'est pas mal. On va changer. Et on va mettre Papillusion parce que je crois que lui, il est à moitié poison. Ouais, il est au poison. Et le choc mental va pouvoir peut-être lui faire assez mal. Bon, en plus, il dort. Franchement, j'ai pas mal de chance avec mes berceuses. Ouais, c'est ça, c'est efficace. Même si, bon, voilà... C'est pas encore ça, mais bon, c'est déjà pas mal. Oh là là! J'ai eu 5 tours de dodo avec... Là, il va se réveiller, non, hein, c'est obligé. Voilà. Mais il bouffe quand même! Allez, bon! Ça, c'est fait, hein, premier dresseur, tranquille. Oui! Est-ce que j'apprends l'attaque Mira... Oh oui! Oh là, on va commencer à rigoler. Là, on va commencer à rigoler. Oh, ouais, cool! Oh, ben... Bah si j'avais su, je l'aurais pas appris à l'air bizarre, là, l'MDR. Oh, c'est cool. Et toi, tu veux... Voilà. Tu veux te battre. S'il faut, il y a la CT qui est cachée, en fait. Je sais plus, bon. Au pire, ça fait un peu d'XP. Ah, il a qu'un Pokémon. Coquillasse. Niveau 21. Non. J'ai envie de tester Torgnol, j'ai envie de voir si c'est fort, mais là, non, hein. On va pas... Alors, vois les... pas la joie. Ah, cool! Merci beaucoup, Herbizarre, tu m'es très utile, quand même. Ah ouais, donc il a pas de... Oh, ben c'est un coup critique, en fait, d'accord. J'allais demander, il a pas de résistance spéciale? Ben, voilà. Ok, merci. Ouais, beau combat. Ouais, grave. J'ai aimé. Elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là. Bon. Où est repos? Voilà, je vous l'ai dit, je cherche repos. Là, il y a une Pokéball.
Ah, c'est une huile, fuck. Bonjour. Ouais, je sais que personne ne m'aime. De toute façon, tout le monde veut me frapper, c'est... Quelle victime, aujourd'hui. Fais appel à Hippotrempe. En fait, le souci, c'est que j'ai plus de vie avec ça. Donc on va changer, et puis... Ah, j'ai une huile. J'ai récupéré une huile, donc je vais balancer mes fouillianes. J'ai balancé mes fouillianes, et puis je vais lui faire prendre 2-3 niveaux... Enfin, 2-3... On va prendre ce qu'on nous donnera. Je vais faire prendre un niveau, parce que... J'ai un peu peur de la suite de l'océan. Sans rien vous dire de plus. Hippotrempe, non. Je vais le... Le vampigréné, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas, des fois mon cerveau me dit... en fait, ça revient toujours... Enfin, le curseur revient toujours en haut, voilà. Mais en fait, pas du tout. Oh non! Alors, on se rappelle que écume enlève que 8. C'est ça? J'espère qu'il attaque pas avant moi. Ah, j'ai perdu de la vitesse. Non, salaud! Putain! Bon, fuck. Comme on dit dans le métier, fuck. Eh ben, pas plus usure, écoute. Hein. Au revoir. Je me suis trompé. C'est pas ça que je voulais faire. J'avais oublié que j'avais appris ça. Choc mentalo. Au revoir. Merci. La grosse déception encore, hein. Non. On va y aller au papillusion. Choc mentalo. Voilà. Ah, c'est pas génial. Bon, on va changer encore. Pokémon. On va prendre Roku. Pse. Pardon. Bon. Ouais, c'est quand même assez tanky, Hippotrempe. Je pensais pas que ça va assez autant de défense. C'est un Pokémon tout mignon, tout gentil, et beaucoup de défense. Bon, le coup critique, évidemment. Ça aide. Papillusion, toujours pas de niveau. C'est assez conceptuel. Hein. Bon, elle est où? Parce que je... nous les marins, on a aussi des Pokémon. Ouais, ok. En fait, j'hésite à aller faire un petit tour au centre Pokémon pour récupérer Melofey. Ouais, je vais faire ça. Tentacool. Bon. Alors, Tentacool. Niveau 18 quand même. Oh là là. Comme ça, moi, je récupère mes PP aussi. Quoi? Bah, ça aussi, c'est pas efficace en fait. Oh merde. Bon, beaucoup seul. Darvenin, si je suis empoisonné, la page joie. Bon, voilà. Ok. Ok, ok. Non, pas ça. Allez, sois gentil. Ah bah non. Ouais, on va faire... on va essayer de récupérer la petite Cetéropo. Et on va ensuite se délester de toute cette connerie et on retourne... Ouais, on va les soigner parce que... Il y a quand même un combat... Oh, Starry! Oh oui, Starry, on va y mettre Swaglord. Starry, oh. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs Starry faisait... Oh, comme ça, et Staros avait une voix de femme juste après. Voilà, c'est quelque chose que je ne comprends pas, sachant que ce sont des Pokémon asexués par la suite. C'est assez... bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Bon, Swaglord, toujours pas de niveau. On prend moins d'XP. Ah oui! Je crois que c'est elle. On va vérifier ça de suite. Objet. J'ai ma pierre lune, tout va bien. La 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 la. Utiliser. Repos. Très bien! Bon, non. On se casse. On se casse, on va soigner, ça fait 20 minutes de vidéo. Ouais, on va faire ça. Je suis content. Franchement, j'avais dit de toute façon que ça serait une grosse vidéo. Je suis assez content. On va essayer de perdre un peu de temps pour... Ouais, on va perdre un peu de temps. Je sais. Ok. Même si j'ai des potions, tout ça, j'ai envie de récupérer Melofey pour qu'il récupère un peu de niveau.
Parce qu'il commence à monter assez vite quand même, en soi. Donc c'est pas mal. On fait ça. Parce qu'il y a un combat en fait qui nous attend là-dedans et j'ai pas envie de me faire démonter. Wag, wag, la bannière. Allez, allez, on s'en fout. Merci, au revoir. Allez, on y retourne très vite. Au revoir, mademoiselle. Voilà, voilà, le petit shop. Ah, le panneau qui me fait faire un pas de plus. Deux pas parce que je suis allé. Ah merde, je regarde pas l'écran. La, 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 la. Ouais, je vais cramer à mort. Genre, oh bitch, please. Voilà, ok. La, 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 la. Allez, maintenant on rush. Même s'il y a quand même de bons dresseurs. Non, c'est pas là, c'est là. Hein. C'est ça? Non, ça c'est les cuisines. Merde. Oh, bah c'est là alors. Oui, c'est ça. Là, c'est le pont, je crois. On a encore un peu plus de cabines, mais je crois que la fin, elle est au bout. Ouais. Attention. Philippe. Ça faisait longtemps. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, j'ai soigné mes Pokémon, parce que... ils font mal. Surtout ceux de Philippe, quoi. On va se choper un Rookups, un Abra, ou un Kadabra, peut-être. J'ai oublié l'autre. Bon alors, on recoupe, ce qui est chiant, c'est que... Oh, je peux pas l'endormir, je crois. Donc, Torgnole. Aïe. Allez, les Torgnoles, c'est parti. Allez, encore. Oh, que trois fois. On s'en fout, on continue. Allez. Allez. Tu mérites des baffes, Philippe. Mais pourquoi je peux pas en avoir 5, là? Allez. Allez! Oui! Encore! Non! T'es pas gentil! Oh là là! Ok, c'est bon. Oui! Ça passe! Tue-le, s'il te plaît! Tue-le! Tue-le! Oui! Allez, Torgnole! Oh, niveau 19, quoi! La joie! Oui! On va de suite le démonter. Oh mon dieu, je savais pas qu'il avait un attaque. Oh non, il doit avoir croc de mort. J'avais dit ça aussi la première fois, mais on va de suite, mais vraiment, on cherche pas, on le dégomme son truc là. Ah ! Oh, ça va ? D'accord. Même lui, il pense à utiliser des objets, alors que moi, je me laisse me faire démonter tranquille. Bon, attends. On se le tente. Allez. Allez, on se le tente. S'il fait deux vives attaques et qu'elles font toutes les deux... On se le tente. Pas de coup critique, s'il te plaît. Allez, Vlan. Ah, moi, j'en ai fait un. Oui. Ah, cool. Ça, c'est toujours utile. Mais tu veux pas prendre les niveaux, toi? Oh, Kadabra. Oui. Il est psy. Recoupes. Voilà. Oh mon dieu, on dirait qu'il tient un bol de riz, quoi. Enfin, de céréales, vu qu'il a une cuillère dans les mains. Ouais. Alors, j'espère qu'il va pas me faire devenir fou et qu'il va tomber assez vite. Ok, j'ai rien dit. Mais t'es sérieux? Je vais me téléporter parce que j'ai eu mal. Là, par contre, c'est Reptincelle. Donc, on va essayer de rester avec le Rookups. Hein, voilà. C'est un sacré tarin quand même le Reptincelle, hein. Il a bien hérité. Oh bon bah tout. Bon, ouais. Ouch quand même. Bon normalement ça devrait passer en fait. C'est tranquille. Eh blablabla. Hein. Voilà. Oh. Tu veux bien faire un coup critique, s'il te plaît, Rookups. Rien que pour moi. Allez, allez. Eh ben tu sais quoi. Eh ben, tu sais quoi? Bonjour. Aïe. Oh non, 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 il attaque avant moi. Ah, je le savais. J'ai beaucoup de spéciales, je résiste. Non. On
on tente le Papillusion parce que j'ai juste envie qu'il prenne un niveau, quoi. Eh, dommage. Dommage. Bon, de toute façon, c'était un pile ou face, là. Hein. C'est... On va quand même donner de l'XP à Swaglord. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus charge. C'est pas grave. Boop. Un coup critique, oui, en 4, c'est overkill. Voilà. Oui, Roku niveau 21. C'est de la merde. Voilà, Cyclone, c'est la pire des attaques que tu peux apprendre, mais... Eh, j'ai toujours pas d'attaque vol avec mon putain de Roku, quoi. Oui, oui, je vais... Oui, oui, allez, c'est bon, on s'en fout, très bien. On s'en fout, oui. Au revoir. Donne-moi coupe, bitch. Elle est dans la poubelle, de toute façon. Je crois qu'il vomit dedans. Ah non. Blorf, je ne suis pas bien blé. Scratch, scratch. Merci, Monseigneur, ça va beaucoup... Bah oui. Oui, donne-la-moi. Voilà, merci. Allez. Sur ce, la bise. On va lever l'ancre. Ouais. Alors, j'avais déjà en tête le fait que je... Ouais, mais non, de toute façon, ils sont morts les deux. Je vais voir s'il n'y a pas un objet là. Non. Parce qu'en fait, je voulais pas qu'il lève l'ancre. J'aurais voulu mourir dans l'océan, comme ça au moins le bateau ne partait pas. Mais fuck off, comme on dit dans le métier. Attends, deux secondes. On va apprendre déjà coupe à quelqu'un. Oui. Alors, qui est apte? Je savais que tu étais là pour ça. Merci, Paras. Voilà, au revoir. Ouais, je voulais pas que le bateau s'en aille, en fait, à la base. Mais bon, tant pis. Parce que j'ai perdu quand même beaucoup d'XP. J'espère que je me rattraperai. De toute façon... Ouais, ouais. On va... De toute façon, il y a quand même... Oh, on va commencer l'arène à Major Bob. Eh, plus long, s'il te plaît, là. La cinématique, hein. Ouais, but, à toi aussi. Allez, on se casse. La, la, la. La la la. Bon, l'océan, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. J'ai trouvé repos assez relativement vite, j'ai envie de dire. Philippe, ça s'est pas trop mal passé. Bon, j'ai eu 2 KO, mais je pensais pouvoir avoir de l'XP. C'était juste pour avoir de l'XP au final. Je savais très bien qu'on allait le buter au final. Au final, au final, au final, beaucoup d'au final. Le souci, là-dedans... Ah, c'est que... Ouais, le souci, ça arrive maintenant, en fait. C'est soit la vidéo est très vite, soit elle est pas vite. Non, je vais juste... C'est vrai qu'on doit faire comme ça. Parascoop. Voilà. On va commencer par les dresseurs. Hein. Parce que, en fait, dans cette arène, si vous vous rappelez bien, on a un petit jeu de hasard. Et ouais, je pense qu'on va juste faire les dresseurs. Un marin? Mais il a des Pokémon électriques? Ouais, voilà. Ok, pourquoi pas. Niveau 21 quand même, aïe aïe aïe. Berceuse. Ouais, t'étais quand même fat, hein, fat. C'est pas Pikachu, c'est Fatachu sur cette version. Ok, donc il a endormi. Ça, c'est pas mal. Et maintenant, c'est parti. La torgnole, quoi. Dj, dj. Oh! Dj, dj. Oh! Dj, dj. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal, hein, Mélopé. Oh non! Bon, de toute façon, il dort, hein. Allez. J'ai envie de dire easy, mais je vais me faire report. Oh là là, encore coup critique? Mais je sais pas si le premier, si c'est un coup critique, le deuxième, c'est forcément un coup critique. C'est une bonne question, ça. Berceuse. Ah non! Ça, c'est un peu relou, ça. Ouais, bon. Apparemment, ça aussi, c'est relou. Voilà. Torgnole. Déjà? Ah, merde! Ouais, ok. On lui dira. Oh! S'il te plaît, fais quelque chose. Enfoiré, mais... 21 au coup critique. Genre, tout va très bien.
Est-ce que je peux faire quelque chose, s'il te plaît? Enfin. Ah ouais. Ouais, donc en fait, c'est le premier coup, s'il est critique, les autres le sont. D'accord. Ben, c'est bon à savoir. Par contre, Roukoub, ça va pas nous servir sur cette arène. Genre à CZF. Foliane, hein. Ok. Sauf que c'est pas de la force. Ah, c'est pour ça aussi qu'il faisait plus mal, mon Mélofé. C'est que la force, en fait, ben... Enfin, ben, Torgnole, c'est force, c'est pas spécial. Au revoir. Merci. Allez, ça c'est fait. Ah. Ouais. Alors lui, il doit avoir des trucs genre Voltorb, tout ça, non? C'est quoi? Un rocker. Voltorb. Ouais, alors, je suis paralysé, mais est-ce que je peux quand même t'endormir? Sonic Boom! Non, aucun effet. Bon, Torgnole. Sonic Boom. Sonic Boom qui enlève 20, en fait, je crois. Mais genre 20 tout le temps. C'est... Je me rappelle que ça enlevait 20 quand j'étais gamin, et là, ça enlève encore 20. Est-ce que, au plus grand des hasards, vu que tu es insecte et tu n'es pas vol, je crois... Hein, dis-moi que t'es pas vol. Ah mais si, j'ai pris un pic-pic dans la gueule tout à l'heure. Non, c'est parce que j'étais insecte. Je sais plus. Ok. S'il fait Sonic Boom, c'est la merde, en fait. Oh. On le tente. Ouf. On le tente? Oui. On s'en fout de nos oreilles. Au moins, je prends un niveau. Cool. Enfin, j'espère. Oui. Lui, au moins, il en a pris un. Oui, lui aussi. Oui, c'est les soldes. Oh mon dieu, oui. 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 J'en ai marre de faire n'importe quoi. Mais j'en ai marre de faire n'importe quoi. Magnéti. Non, on va prendre l'XP. Bzzzt. Pokémon. J'en ai marre de faire n'importe quoi. Bon, maintenant, faudra vraiment que je fasse gaffe au spam du A quand j'apprends une attaque. Hein. Vraiment. Foliane, malheureusement, je sais pas... Mais non, il est qu'électrique. Il est qu'électrique et ça sert à rien, en fait. Ouais, ok. Bon, bah, cette arène, en fait, on la passera aussi vite que les deux premières. Enfin, aussi vite. On va dire que Major Bob va pas nous poser de trop de problèmes, sauf si on est... paralysé à mort, mais ouais, c'est surtout les poubelles qui vont faire chier, quoi. Ok, mais les poubelles, je pense qu'on les fera la prochaine fois. Là, on va juste se faire les dresseurs, tranquille. Sonic Boom! Si ça fait 20, ça veut dire que j'ai raison. Ça fait 20. Ouais, c'est un peu... En fait, c'est bien et pas bien, Sonic Boom. Ça fait mal. Mais il est mort, voilà. Est-ce que le troisième, on va pouvoir le faire? Ouais, allez. Ouais, allez. Bonjour. Pim, 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 pim. D'accord, donc lui, il a fait l'armée avec. Ah, t'es un peu vieux quand même. Pikachu. Niveau 23. Si j'arrive à l'endormir, c'est pas mal. Non. Grosse déception. Ha! Allez, là. Donc, il a endormi, et on va y mettre... j'y crois, hein. C'est Lara Fabian, j'y crois encore, tout ça. Ok, il dort. Donc, déjà, je le touche une fois gratuite. Putain, il a plus de vitesse que moi? Ouais, ça passe. Ouais, ça passe, ça passe. Parce que même s'il se réveille après, la vie attaque passera avant. Et ça, c'est beau. Ah, ben, il dort encore. Eh, franchement, berceuse, la joie. Pff, Najwa Belizel, même, comme l'autre. C'est vraiment les pires des vannes aujourd'hui. C'est... Je suis désolé. J'ai vaincu le gentleman, la 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 la. Oh, enculé, il m'a donné beaucoup d'argent. Bon, on va se quitter là.
On va gentiment dire à Paras de couper cette merde. Où es-tu, Paras? Coupe. Waouh, Paras, t'es trop fort, tu as coupé l'arbre. Non, c'est pas là. Par contre, va falloir que j'y aille dans une des baraques après. Barack Obama. Oh là là. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour mes voisins. Pardon, pour mes aventures de Pokémon. Je m'excuse si l'épisode était un peu long, mais j'en avais besoin pour essayer de rattraper mes collègues. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis d'ailleurs de regarder mes collègues pour leurs aventures à eux. Et à la prochaine. Allez, ciao les gens.